Oh, attendez, il y a match là. Il y a match, je suis un ouf. On est là en train de parler de trucs et tout. Le match a commencé il y a 20 secondes. On est parti, Narcus. Le match est parti. Par contre, on est dans une phase où... Oulala, la double tape. Aïe, aïe, aïe. Oh, merci, monsieur la transversale. La transversale qui nous met bien. Par contre, ils sont en train de nous starve au niveau du boost. Là, c'est terrible. Hein. Ils sont en train de nous laisser un peu dans notre coin. Et on a très peu de boost. Là, depuis tout à l'heure, c'est quand même chaud là. J'ai l'impression qu'ils timent bien les boosts là de leur côté. Yukis tout seul en défense, bien joué. Ah ouais, ça fait un petit moment où on est un peu dans la merde là. Ouais, on est orange, hein. Je vais changer les noms des équipes. Pas mal, Karine qui arrive à trouver la démo sur une phase offensive, c'est très bien. Peut-être Exo, Exo qui loupe la balle malheureusement. Et là il va falloir repartir, il va falloir la dégager, bien joué. Yukis qui la dégage, Exotic qui la retouche rapidement. C'est Karine qui va la retoucher normalement avant, c'est bien. Est-ce qu'on a Yukis derrière? Est-ce qu'on a un joueur derrière? Non, on n'a pas de joueur derrière pour attaquer malheureusement. Zamo qui part tout seul, qui va tenter le flip reset, qui ne passera pas. Et du coup, on est bleu. Hein. On est bleu. Hein. Voilà, je vais changer ça juste après. Attention, Exotic. Tentative de flip reset. Non, ça passera pas non plus. Par contre, là, il a loupé la balle et voilà, 1-0. Let's go. Ah ouais, mais je suis bête. Tu regardes le stream, c'est ça? Le retour de stream, ouais. T'es là en mode mais. C'est bien ce que je me disais. Oh là là, cette frappe de Kerian. Le boss, hein. Kerian Mbappé, comme on l'appelle hein, dans le milieu, bien sûr. Ouais. Voilà, attendez, laissez-moi juste voir les points en bleu. Voilà, 1-0 déjà dans ce premier match pour la Solar. On y va, par contre on attaque fort du côté du Kiss. Oula, par contre la grosse frappe. Ouh, bel arrêt de Karian. Grosse frappe de Zamo et bel arrêt de Karian. La frappe par contre qui est dangereuse, ça va bien jouer Exotic qui temporise bien. Tentative de compte de la part de Karian. Mais là il s'est raté, mais bon, ça, ils sont deux en défense. C'est Zamo qui a troll là. Allez, Yukis, ouais, il a troll un peu, ils sont deux. Oh, c'est pas mal, c'est Exotique, il prend de vitesse, non. Ok, Karian qui est avant, Karian qui arrive à trouver un bon contre. Est-ce qu'on a un joueur dessus, Yukis qui va partir sur la balle? Yukis, oh là là, il l'a mis dans le vent, ouais. Ouais, dommage, ouais, directement récupéré. Oh, attention là par contre. Oh. Tentative de gros missile, ouais. Ça passe jamais, ouais. Hein. Ces frappes là, de tous les là. Dans mon elo, ça passe, mais à ce niveau là, top européen, grand champion, tout ça, ça passe jamais. Hein. Ouais, clairement. Oula, attention à Zamo qui est au centre. Hein. Allez, après on gagne, hein, donc du coup ça nous va. Attends, de jouer par contre, à la baballe. J'ai mis un point alors qu'on n'a pas de point encore, je suis un ouf. Il y a 1-0, ouais, j'ai mis un point. C'est la première game, ouais. Contre, ouais. Tranquille, on va le laisser pour nous porter chance. Espérons. En tout cas, pour l'instant, ça joue bien. Attention, par contre, bel arrêt d'Exotic qui est resté sur la ligne. Ouais, ça c'est bien joué. Qu'est-ce qui défend bien? Qu'est-ce qui défend très très bien? Attention, par contre, à cette frappe de Tox. Ça va, c'est bien dégagé de la part d'Exotic sur le côté. Exotic qui arrive à trouver un contre, mais Steak qui arrive à la remettre directement sur Zamo et faire attention à cette frappe. Et là, ça égalise 1-1. Aïe 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 aïe. C'était une action compliquée là. Une action très compliquée. On a eu Zamo qui a mis une bonne frappe qui a effacé un peu Karn. En fait, il l'a mis sur le backboard. Karn s'attendait à ce que la frappe soit cadrée. Donc en gros, il a pris la direction où il pensait que la balle allait aller. Et du coup, vu que ça a renvoyé sur le backboard, il y a un joueur qui l'a reprise directement derrière. Égalisation de la part de l'équipe espagnole des Giants Gaming. Oula, Steak, il s'est perdu dans les cages. Qu'est-ce qu'il branle? Ah, c'est dur ça. Hein. Steak il part avec full boost. Hein. Steak il cherche l'action offensive, qui cherche une très belle action offensive là-dessus. Exotic il la dégage avant, c'est bien. Oh, très gros centre. Tox qui était sur Karian, mais Karian qui était présent au cas où. Si jamais la frappe était cadrée, il était à la réception. Il n'y a pas trop de problème. Pas mal ça, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Et qu'est-ce qui a pris du boost, ce qui la remet un peu derrière. C'est dur. Hein. Attention à Zamoué qui la remet sur le coin. Exotic qui la remet. Fou. Il a fait passer au-dessus des cages, il reste une minute sur ce premier match qui est très 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 intense. Hein. Ok, grosse frappe. Attention par contre à Steak là, ça va, il a loupé. Exo qui part tout seul. Allez, 46 secondes. Il y a moyen, la frappe oh, est la pas frappe. Mal. Oh là là là. Il a dégagé directement sur la transversale. Oh ça revient vite, oh ça revient vite. Oh il y a eu un bump, il y a eu un bump, c'est très bien ça. Il y a un très bon bump. Oh. Ah dommage. Ils font des actions, franchement, c'est un truc de fou furieux. Hein. Oh, ouais, bon, là. Clairement.
C'est très dur pour nous pour l'instant, mais on tient. Yukis qui arrive à effacer un joueur, est-ce qu'il va réussir à effacer un deuxième joueur? Ah, Steak qui a anticipé la trajectoire de la balle, c'est dommage. Et qui arrive à trouver derrière un autre contre. Ah, il joue bien. Hein. Steak là défensivement, c'est fort. Hein. Oh, et on a personne. On a personne, Eze. Oh, il passe devant 5 secondes de la fin. La tristesse. Aïe, 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 c'est dur, c'est dur. 5 secondes de la fin, ils arrivent à mettre un but. Oh là là, pas comme ça, on n'a pas le droit au bonheur. Ouais, ça fait mal ça. On a eu des belles... Clairement, ça fait mal. On a eu des belles actions, on a eu de belles tentatives et tout, mais malheureusement, ça n'a pas suffi quoi. Ok. Ok, la frappe, attends. L'égalisation. À la dernière seconde de jeu, Kerial qui égalise. Let's go. Oh là là, la frappe, ça le missile plaît, hein. Oh, c'est beau ça. Et du coup, ça, on va aller en prolongation. On va aller en prolongation, les amis. C'est parti. Ouais, ça vaut double hein, ce genre de but. Ah ok, oui, hein. Ça c'est le genre de but qui nous fait plaisir. Attention par contre au contre, on n'a plus personne en défense si on a Karen qui est là. Ah mais là ils sont trois en attaque, hein. Ils sont trois en attaque les amis, il faut faire très attention. Steak qui arrive à la remettre au centre, Exotic qui la redégage. On a Tox qui devrait être à la réception normalement. Ok, il la dégage mais il se fait bump, c'est bien ça. Karen peut-être pour une grosse frappe. Oh. Oh allez, dur. Dur, dur, dur. Attention, okay. What. Ah, voilà, il a remis sur le cover de Yukis. Ouais. Ouais, très bien fait ça. Oh là là, ça défend. Ça revient vite. Non, oh, attention. Oui, Exotic. Exotic au cage. Exotic Barthez. Par contre, là, il y avait eu un gros commit là de la part de l'équipe. Et non. Qu'est-ce qui s'est passé? Karen qui a pas pu dégager la balle. J'ai l'impression qu'en gros, il s'est fait contrer. Zamu a rush la balle. Karen l'a touché, je crois. Ah non, il a pas touché. Il passe à côté. Il s'est peut-être fait bump par Tox aussi. C'est peut-être ça aussi, j'en suis pas sûr, mais c'est possible. Bah après, c'est le premier match, mais. C'est le premier match, exactement. Bon, ça, c'est pas vrai. Du coup, hop. 1-0 Giants pour ce match. Oh là là, coup dur. Franchement, match de fou. Ouais, match c'est de fou. Après, il y a la place, hein, clairement. Mais il y a la place, ouais, totalement. Ça joue pas à grand chose, là. Ok, oui. Allez. C'est le moment où tu passes du stream Sardoche à ça. Bah, c'est un peu normal après. C'est comme si tu passais genre du stream, je sais pas moi, de d'un mec gold sur LOL et que tu passais au LEC, tu vois. Bon, forcément, oui, il y aurait une différence. C'est normal, tu vois. Rien de surprenant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est logique, quoi. Parce que là, en gros, il faut savoir que c'est l'équivalent des LEC hein, actuellement. Ouais. C'est les 16 meilleures équipes d'Europe. Voilà, c'est quand même insane, tu vois. Ouais, tu peux le dire, il y a un petit niveau quoi. Ça joue, ça, ouais. Ça tape la balle. Absolument. Et bon, allez, 1-0. Pas perdu encore. Hein. Oula, oula, qu'est-ce qui est passé en dessous? Attention par contre à la grosse frappe de Steak sur le backboard. Ok, il a raté la double tape. Le gros missile derrière, Kian qui défend. Zameu qui va remettre une frappe et là c'est dur. C'est impossible à défendre ça. Sur l'engagement, toujours. On se fait fumer toujours sur l'engagement. Ah, ça me dégoûte. C'est vraiment dommage. Ouais. Aïe, 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 aïe. 1-0 à 10 secondes. À 10 secondes de jeu, 1-0. On est abattu, mais ce n'est pas terminé. Toujours les kick-offs. Hein. On subit sur les kick-offs. Il faudra faire un entraînement intensif kick-off, je pense. Oh là. Only kick-off. Okay. Mais tu vois, sur Rocket League, c'est facile d'entraîner des phases de jeu. Oui, oui, clairement. Oula, par contre, Tox. Ok, Karen qui défend, c'est bien. Heureusement, il y avait Steak qui était derrière lui là. Qui voulait vraiment chercher le bum, ça se voyait. Hein. Mm. Par contre, ça joue bien la Giants. Ils sont bien réveillés par rapport à leur match face à Guild. Et là, ça va être dur. Ça va être dur. Oh, la bonne défense. Ouais, Exotic qui défend bien. Par contre, là, on n'a plus personne. On n'a plus personne, on n'a plus que Yukis. Ça va, ça suffira. Est-ce qu'on peut partir sur un contre là? Oh, Zamu qui arrive à trouver un très très bon contre. On a une bonne démo aussi qui a été trouvée de notre côté, mais ça ne suffira pas car ça ne conclura à rien malheureusement. Zamu qui arrive à dribbler un de nos joueurs. Dariukis qui arrive à la remettre. Est-ce qu'on va réussir à trouver la passe sur Exo? Exotic sur Karian peut-être. La balle, Yukis peut-être la grosse frappe. Et oui, égalisation. Allez. Ouh, ça part de là. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Exotic. Qui la met un peu, qui la balance devant. Ah, et Yukis qui prend de vitesse tout le monde. Ouais. Plus de boost. Merci, ça fait plaisir. Et merci. Ok, ça part de là les amis, ça part de là. On vise le titre.
Ouais, okay, sachant que Exotic, si il cherche la passe sur Kyrian, la grosse frappe. Oh, l'arrêt de Tox. C'était bien joué, oh, Yukis peut-être. Ah. Allez, le contre, faut pas la rater. Oh, il l'a touché, mais ouais, pas dans le bon sens. Mais la balle est pas partie là où on voulait. Oula, oh, attention, contre, ça, oh, il s'est fait démolir. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais la balle part un peu loin. Hein. Okay. Voilà, une autre démo. C'est eux qui démo encore. Eh, ça va, les Espagnols, ils aiment trop se battre, c'est ça leur problème. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup jouer le fight. Hein. Ah, ok, oui. On l'a vu hein, lors du match PSG Marseille. Hein. Ça cherche la bagarre avec les Espagnols. Hein. Ouais, clairement. Allez, 3 minutes. Oula, oula. Attention. Ah, il a loupé. Ah, y avait il personne, a loupé. Non, en fait, il y avait, mais il a réussi à trouver un petit trou qui fait que c'était très propre. Là, regarde Zamoui qui arrive à la mettre au-dessus de notre joueur et qui parvient à creuser l'écart 2-1. Ah, il repasse devant, c'est dur. Enfin, il creuse pas l'écart, il crée un écart. Oh non, ouais. Oh non, monsieur. Non, monsieur, pas comme ça. Ok, ça va, j'ai eu chaud. Yukis qui est resté très 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 attentif là-dessus. Ça fait plaisir. Ok, la passe sur Yukis. Est-ce que Zamoui va l'avoir avant? Il y a Zamoui qui arrive à prendre de court Yukis par contre là. Terrible, hein. Et là, la frappe qui va sur le backboard et derrière, et but en normal. Hein. Voilà, donc cette fois-ci, il creuse l'écart. Le problème, c'est que là, on se fait snipe en fait. Ouais. On se fait snipe, ça stream hack. Franchement, ça me dégoûte, hein. Steak qui vient du Discord pour nous hack 3-1. Après, il reste 2 minutes 46, hein, donc. Ouais, c'est vrai, mais. 2 minutes 46, c'est plus de la moitié du match. Hein. On dirait pas comme ça. Ouais, mais bon, pour aller mettre 2 buts, sachant que là, on va devoir s'exposer, hein, clairement. Ok, oui. Ok, oui, on va devoir s'exposer. Pas mal, pas mal. Saxon Yukis, c'était bien joué. Par contre, on est parti un peu loin du côté d'Exo. Ok, on arrive à trouver une bonne démo, c'est bien. Est-ce qu'on va passer au-dessus? Tox qui parvient tout de même à toucher la balle. Yukis peut-être pour aller chercher un bon angle. Ok, il la remet dans le coin, mais Steak qui était attentif et qui du coup récupère cette balle. Exotic qui la redégage. Zamoui qui la récupère. Et là, on est dans une phase très très compliquée. Hein. Oh là. Oh là. Oh là, j'aime pas ça là. Oula, j'aimais pas du tout ça là. Ah, ça joue bien. Franchement, ils jouent bien les Espagnols. Hein. Ouais, clairement, ça joue propre. Oh, pas mal. La démo est bonne là. La démo est bonne, ça laisse Karen en 1v1. Ouais, le problème, c'est que effacer un joueur dans ce genre de situation sans boost, ça devient très compliqué. Oh, le décalage, la redirect de Zamoui sur Tox. Mais Tox qui a pas suivi. Tox qui, s'il avait suivi, aurait peut-être pu faire quelque chose. Il avait peut-être plus assez de boost pour faire quoi que ce soit. Ok, là, on va la profondeur sur Yukis. C'était pas mal ça, une belle passe en profondeur sur Yukis. Karen peut-être là. Dommage. Il se fait contrer. Ok, on a un peu de boost du côté de Karen. Par contre, là-dessus, ça kebab un peu là. Oh là là, terrible. 4 ans. Ah, là, il faut aïe, 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 là, il faut Gonex. Mais le problème, c'est Gonex, alors qu'on est déjà en 0-1. Passer en 0-2, ça va être très dur. Hein. Il faudrait réussir à faire un reset bracket ensuite. Enfin, un reset river sweep. Mais bon. Ok, on y va, Yukis peut-être, Exo. 3 buts à mettre en 1-30, par contre, ça me semble dur. Hein. Surtout face à une équipe d'un tel calibre. Hein. Ouais, ça joue vraiment, vraiment bien en face. Ah bah ouais, c'est pas top 3 équipe EU actuellement pour rien, quoi. Top 3, top 4. Pendant un moment, c'était top 1. Espagnol, hein. Pendant un moment, c'était top 1, donc ouais, c'est... Oh. Ça, c'est... Ah, dommage. Ouais, une minute, de façon, c'est dur. En vrai, c'est dur, mais ouais. Oui, oui, non, ouais, c'est oh, très dur. Ouais, c'est très dur. 3 buts en 45 secondes, c'est infaisable. Hein. En fait, dans ma tête, je suis là en mode ouais, mais tu peux quand même mettre un but à l'engagement en 5 secondes, donc bon. Ouais, si jamais t'en mets 3, peut-être que, tu vois. Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'engagement là. Il y a pas d'engagement, il reste 30 secondes. Non, ça me semble chaud. Aïe, aïe, aïe. J'avoue, pour l'instant, Narcus, le pauvre qui a pas réussi à commenter une seule win. J'ai vu que des défaites. Enfin non, j'ai pas vu parce que je regarde, mais... Tu n'as commenté que des défaites, quoi. Vas-y, hey, tu sais quoi, le prochain match, je te laisse. Hein. Non, vas-y, après je vais tout seul, la flemme. C'est pas de ta faute, Narcus, en vrai, on le sait bien. Ah, hein. Je peux te dire que c'est de ma faute. Hein. C'est la caster curse, mais on sait que c'est pas de ta faute, tu vois, au final. Ouais, du coup, 2-0 pour Giants. Après, Giants, on les attendait au-dessus. Hein. Giants, on les attendait vraiment, vraiment au-dessus.
Et là pour l'instant il le prouve totalement. Du coup 2-0 pour Giants, c'est dur. C'est très très dur aujourd'hui. Mais on les sent vraiment pas trop dans le match par rapport à d'habitude en hein. Soi aussi c'est vrai que De la trempée. d'habitude on les sent plus solides, on les sent plus sereins. Là on les sent vraiment pas sereins. Mais la semaine dernière c'était là que du bonheur hein. Giants 3-0, Vita 3-0. C'était incroyable, franchement. Et là, on se fait 2-0 par Giants. On a perdu 3-1 face à Triple Trouble. C'est dur. Mais ce n'est pas encore terminé. Et tout est encore jouable. Donc, on y va. Oui, Troisième on peut match. encore gagner, On hein, croit ce au soir. River Sweep. On croit au River Sweep, là, actuellement. Après, c'est vrai que Giant, ils ont quand même un petit level, hein. Ah, ok, oui. Merci à toi, Kalex, d'ailleurs, pour ton sub. Mais ouais. Mais la semaine Allez. dernière, on leur a mis 3-0, tu vois. Oh non, C'est il vrai. n'utilise pas comme ça. Ouh. Oh, attention. On n'a Ah, pas un ça joueur joue sûr. bien quand même, Faut hein. prendre Même dans son leur temps. relance, là, c'est Ouais. directement... Ah, il n'y a pas trop de chichi, il n'y a pas trop d'erreurs. Attention, par contre, là, c'est pas mal là. Oh, c'est... Oh, il y avait deux Ouh joueurs là là, là qui la étaient bonne présents. défense. Ouais. Très bonne défense, ils avaient deux joueurs au cage. Ils campent en fait, c'est ça le truc. C'est juste, ils Ouais. campent. Ok, sur Exo, Voilà. Exo qui va l'avoir avant. Kerrigan, Sur Yukis Exo, oh, peut-être? le 1-2, le Oh, 3, dommage. là-bas. Ah, oh, c'était Cette beau. barre. Franchement, c'était une très belle action ça. Ah, c'est trop dur. Oh! Wouah! Kerrian, quel move! Mais quel Ça prend but de ça. Kerrian le boss! Oh non, par contre là, il a bien attendu avant Tac. d'activer son deuxième Hop. saut. Hop, boost. Et là, il active son deuxième saut. Et il va chercher une frappe juste en dessous de la transversale. Voilà. Magnifique! Il n'y a rien Magnifique! à dire C'est là. trop dur à faire ça. Magnifique! Et merci à toi Blitzy aussi pour ton 19e mois d'abonnement. Un beau jeu, j'avoue. Très très beau jeu de la part de Karn là. Et Kerrian encore une fois, la frappe. Dommage, c'était open. Non, il y avait Tox quand même qui était là. Il y avait Tox donc Oui. c'était pas réellement open. Oula, oula, oula. Il fait chaud là quand même hein. Ouais. Aïe, aïe, la démo par contre alors que c'est notre joueur qui est au gage. Ça fait mal mais ça va, heureusement qu'on défend bien. On redégage, Zamo qui va la retoucher. Voilà, il la retouche bien. Il nous empêche d'avoir une action sur cette balle. Oh, tous. Ouh, la frappe un peu sneaky de la part de Yukis là. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ce move là. Ouais, Kieran qui tente de la faire, mais. ça aurait pu, hein. Ouais. Ça aurait clairement pu. Yukis qui va tenter une action individuelle. Qui arrive à trouver un très bon contre. C'est pas mal. Il a raté le boost lui par contre, un Zamo là. Il a raté le boost, il a pas de boost là. On faut en profiter, mais ça va être dur. Aïe aïe aïe. Qui prend tout le boost en plus. Oh, Attention ça par contre arrive à la vite frappe. ça. Ouais, non, c'est bon. Il a Ouh, raté, il a c'était chaud là. dévissé. Mais il y en a toujours un qui est derrière, tu sais, pour vraiment Ah, cover ouais. au cas où. C'est pas mal, Après, exotique, il il a va y avoir tenté. peut-être la place hein, de mettre des comptes là. Hein. Oui. Oh la frappe. Ouh là là! Ouh là 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 là! C'était dur à dégager ça. C'était dur à dégager. Et du coup, égalisation de la part de Steak. En gros, la frappe de Steak était extrêmement puissante. On arrive quand même à la dégager du côté de Karian un peu à l'improviste. Et derrière, bah, c'était qu'il la remet hein, tout simplement. Hein. Très très Ouais, propre. là. Allez, 1, 3 minutes. Voilà, ça se tape là. Hein. À l'engagement, ça se tape fort. Attention, pas dans l'axe. Hein. Ouais, heureusement qu'il la retouche. Ouais, sinon c'était mort. Allez. Ok, c'est pas mal ça. Exotique. C'est limite mieux pour nous. Ouais. Hein. Oh, il y a une démo. Parce qu'il y a un centre. Ah, Ah, il a raté. exact. Bah, il y a surtout Tox qui a dévié avant. Hein. Aussi, C'est oui. ça qui nous a fait mal. Oui, c'est pas tant lui qui a C'est raté, ça, mais. c'est plus. Oh, attention, Yukis! Non, dommage. Il y avait un peu C'est pas de fini, champ c'est libre. pas fini, le centre. Oh! Pas mal, ça compte. Yukis qui va partir sur la balle, qui va essayer de mettre une grosse frappe. Ça va leur envoyer directement sur Karian. Exotic qui va tenter de faire peut-être un double tap, mais c'est Zamo qui est sur le backboard pour la dégager. Attention par contre à Steak. Attention à Tox là-dessus, mais ça va. On a deux joueurs qui sont sur le backboard qui vont l'avoir tranquillement. Exotic qui devrait l'avoir. Non, c'est Zamo qui l'a avant. Ok, Karn par contre le très bon dribble. Ok, il laisse la balle à Exo. Il laisse la balle à Exo. Exo qui part tout seul. Exo Oh! qui part tout seul. Du jamais vu. Ça, Oh c'est du là jamais là vu. là là. Mais Lionel Messi exotique. Regardez, hop, il Il attend. Il temporise bien. Il attend le contre. Et là, regarde, hop, il lobe. la lève, hein. Oh là Il la lève, là. hein. Il met une panenka sur le joueur. Il met une louche, j'ai envie de dire, sur Zamoué. Il arrive à mettre une Ah ouais. petite louche sur Zamoué. Et il marque un but. Il passe devant. Magnifique action. Franchement, là, c'est beau. C'est du C'est jamais très vu, on très peut le beau. dire, hein. C'est du jamais vu dans l'histoire de Rocket League, on peut le dire, oui, en effet. Ouais. Attention, exotique peut-être. Sur Karian. Karian, par contre, la frappe qui va être arrêtée par Tox. Cette façon, elle était sur la barre. Aïe, par contre, Yukis qui a un petit peu temporisé, qui a un petit peu trop attendu. Et là, c'est dur. Ouf.
Elle allait vite cette balle. Allez 2-1, on est devant. Ça part en 1-2, par contre ça part en 1-2, Kyrian qui la remet directement au centre. Ouais. Est-ce qu'on a un joueur? On a Yuki normalement. Hein. Oh ah, la frappe. Non. Ah ce genre de frappe c'est très compliqué à rentrer quand même. Mais là ça joue bien, ça agresse bien, j'aime beaucoup. Ouais là ça joue vraiment bien notre équipe. Alors par contre là, aïe aïe, on est commit hein. On est pas mal commit, ça va, Yukis qui arrive à la remettre devant. On a Exotic qui arrive à la repasser. Oh attention ils sont deux. Yukis peut-être sur le... Oh, oh le flip reset qui passe. C'est pas vraiment un flip reset parce que la balle s'est pas vraiment calée sur les roues. Mais il a plus fait accélérer la balle que changer sa trajectoire. Au final ça nous donne un but. Ouais, c'est Exotic qui le pousse hein. Ah ouais. Propre. Propre. Et du coup 3-1 dans ce troisième match, c'est magnifique. Il y a une action des frères d'Eric là, Exotic Yukis. Il y en a un qui a poussé l'autre. Ah c'est de c'est toute beau. Beauté. Non franchement ça joue bien là, franchement c'est un match qui fait plaisir à voir, pas mal. Exotic qui a joué intelligemment, qui a essayé de faire la passe et qui a essayé de chercher le bump sur Steak, il a réussi à le trouver. Mais derrière ça a gêné la trajectoire de Kyrian donc c'était un peu compliqué, attention par contre. Hein. Ouais attention par contre, c'est 3-1, on a envie de gagner ce match. Bah si on perd ce match on est éliminé donc ouais on a envie de gagner. Faut pas hint hein. On a plutôt envie de le gagner. Par contre les 3 buts là, franchement ils sont beaux. Les 3 buts de l'équipe sont magnifiques. Ah par contre la frappe est... Ouh là là. Le sauvetage. Ouh. Le sauvetage d'Exotic. Ouais sur la barre. Allez peut-être ça peut partir en compte là. Ah non. Non ça va, ça peut partir en compte, ça peut partir en compte toujours. On a Kyrian qui est là mais qui est en dessous de Tox donc c'est dur. Allez 38 secondes Exotic. Aïe 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 ça va, 30 secondes on tient, faut tenir là. Ouais. On a l'avantage, pas besoin de prendre de risques trop phénoménaux. Juste garder la balle, temporiser un peu, on est bien. Oula. Parce qu'on sait que si jamais il reste 5 secondes au temps, et eh bien ça oui, peut on être peut un s'en prendre. Hein. C'est ça. Oh, pas mal ça par contre. Allez. Dommage. Oh, attention par contre. Yukis, Yukis. Allez. Ah, dommage. Ok, ça va. Après 5 secondes, hein. 5 secondes, normalement on peut pas prendre de but quand même. Oui, normalement c'est safe, mais. C'est bon, c'est fait. Ils peuvent plus mettre de but, c'est parfait. Là, ils peuvent plus mettre de but. Là, ils peuvent en mettre un, mais pas deux. Oui. Donc, et le mieux serait qu'ils en mettent même pas. Hein. C'est vrai, pour la confiance. C'est ça. Ah, ils veulent pas laisser tomber la balle par terre. Hein. Ils veulent pas laisser tomber la balle par terre, frère. Oh, mais quel match par contre. Quel match des joueurs là. C'était allez, insane, on est pas encore mort. Ils ont joué totalement. On ouais, par contre, nos buts étaient, j'avoue, ils étaient ils insane. Ont, hein. Ils ont joué out of their mind. C'est du jamais vu. Hein. Les buts étaient trop, trop beaux. Donc voilà. Victoire 2-1. Du coup, on peut remonter, les amis. Deux matchs consécutifs à gagner et on est bon. Mais là, franchement, ils ont joué à un niveau sur, auquel on les a quasiment jamais vus. Offensivement, c'était monstrueux. Défensivement, ouais. Ça se repliait bien. Ça prenait pas non plus trop de risques. C'était insane le niveau que ça a proposé là. Et ça, c'est ce qu'on veut voir, tu vois, de la part de l'équipe. C'est totalement ce qu'on veut voir de la part de l'équipe. Et après, surtout en défense aussi, hein, parce que bon, l'attaque c'était carnaval, mais même en défense, hein, y a eu d'énormes sauvetages. Genre, c'est vraiment le genre de match qui fait plaisir. Il va falloir continuer comme ça. Parce que là, on n'a toujours plus le droit à l'erreur, hein, malheureusement. Non, on a vraiment, vraiment plus le droit à l'erreur. Là, il faut vraiment win. Attendez, c'est vrai, cours de maintenance, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça a bugué? Je vais demander si ça a bugué. Je vais leur demander. Après, peut-être il est en match, là. Ce qui m'embête très grandement. Pas, il vient de finir, non? Ouais, je sais pas, genre moi ça m'a mis une erreur de maintenance. Après peut-être que eux ils sont en match. Non, ça m'étonnerait. Ouais, je pense pas, ils viennent de finir. Ouais, c'est bon, ça a bugué. Ils confirment que ça a bugué. Ok. Donc il faut juste attendre et ça va relancer. En tout cas pour l'instant 2-1 en faveur de Giants, mais on peut le faire. Vu le match qu'ils ont proposé juste avant, il y a possibilité d'aller chercher la win et du coup la qualification dans ce top 8. Même si ce sera pas facile, s'ils y arrivent ce sera insane. Ouais. Mais après il y a la place hein. Là on... En fait notre seul ennemi c'est nous hein. Clairement. Absolument. Genre je pense qu'on peut vraiment battre n'importe après, qui. Après à tout moment que... je peux cliquer sur rejoindre Vodafone Giants en équipe et jouer à la place d'un de leurs joueurs.
Et là, franchement, je pense qu'on gagne quoi. Mais bon. Avec je toi crois que ce sera un peu cramé quoi. Bah si je vais dans l'équipe adverse. Ah. Au lieu de me mettre en spec, tu vois. Je me mets dans l'équipe adverse. Ouais, j'avoue, je pensais bien. Je pense comme à sur pense, LoL hein. Mettre une Annie-bot. Ouais, voilà. Bon, allez les bleus. Ouais, on allez, est tous les bleus, ensemble. Exactement ce que j'allais dire. Par contre, là, on n'a pas énormément de boost. Là. Ouais, Yuki's qui va un peu se donner du coup. Ouais. Attention. Ouais, c'est bien. Ok, pas mal ça. C'est pas mal, ça relance bien dans la profondeur là. On a du boost par contre. Tox qui lui aussi a du boost. Il a beaucoup de boost. Oh, il amène, mais il amène tellement loin. Le contrôle de la balle qui est phénoménal hein, sur, de la part du joueur espagnol Tox. Je sais pas s'il est espagnol, mais bref, on va dire qu'il est espagnol. On va dire qu'il est espagnol. Ouais. Attention Yuki's. Par contre, là, on a la possibilité. Là, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, messieurs. Ah, mais c'est sans compter Tox hein, qui est là avec son contrôle de balle. Ok. Exotique. Par contre, là, ça peut y aller. Ah, très bon compte de la part de Zamoué. Yuki's qui va la renvoyer dans le centre. Steak qui va la dégager sur Tox. Tox qui va essayer de la remettre avec son contrôle de balle. Digne de Messi qui vient nous exploser Kyrian. Et là ça repart très très loin par contre, ça repart très très loin de leur côté, c'est bien. Ok, c'est un peu raté du côté de Tox j'ai l'impression hein. Ouais. Mais voilà. Il y a malheureusement Steak. Oh le missile de Steak, what the fuck. Allez. Enfin de Steak, de Tox pardon. Je crois que c'est Tox qui a mis le missile. Ouais. Allez allez, il faut réussir à sortir de là. Oh le rebond qui est pas bon là de la balle. Attention. Oh là là, le flip reset qui va être tenté du côté de Steak, mais bon, c'est un peu loupé, tant mieux pour nous. Du coup, c'est quoi le reset? Ça te redonne 100% de boost? Non, c'est pas ça, c'est qu'en gros, ça décale la balle. Tu vois, comme là, il essaye de faire exotique, okay. Il essaie de mettre la balle sur les roues de la voiture. Ouais. Et derrière, eh bien, ça donne une impulsion supplémentaire à la balle qui change de direction et c'est difficile à contrer. Oula. Ok. Mais là, il a un peu loupé. Quoi. Ouf, c'est chaud quand même. Là, on est un peu en train de subir. Hein. Franchement, là, c'est un peu dur, tu vois. Ok. Qui essaie de la remettre sur le côté. Kyrian qui va la renvoyer très loin, hein. Très loin, très fort. Oh, attention. Ouais. Ah. Qui s'est pas laissé abattre. Il faut pas se rater là. Hop, 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 le coup. Oula, ça on aime pas ça. Ça on aime pas du tout ça. C'est bon, c'est Kyrian qui va la voir, qui va la renvoyer sur Exo. Exo peut-être, là il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Oh le missile. Attends, mais elle est partie si vite. What? Attends, mais. Il a mis un pointard en fait. Hein. Doom. Et là. Oh, poum, missile. Côté gauche, pile poil ça efface Zamoué, on prend l'avantage sur ce but, c'est magnifique. Donc tu mets tes 4 roues sur la balle, ça te redonne un saut, donc tu peux rediriger la balle, voilà. Ok. J'étais pas au courant de comment ça fonctionnait exactement. Mais du coup, un saut c'est quoi? Du coup t'as plus d'énergie, en gros c'est... non? Ouais, un saut c'est un... Ouah, ah non, pas comme aïe, ça aïe, aïe. Bah un saut en gros on ça te permet du coup, de dévier la balle, quoi, en gros, de faire un peu ce que tu veux, quoi. Mais en fait ça veut dire que quand tu poses les 4 roues sur la balle, c'est comme si tu venais toucher le sol, c'est ça? Ce que vous êtes en train de dire. Et du coup ça veut dire qu'après tu peux refaire un flip, ok je vois. Parce qu'en fait t'as le droit à un saut quoi. Enfin deux sauts on va dire. Un saut et un flip. Et du coup c'est comme si t'avais touché le sol, très bien. Ah c'est sympa ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ah c'est ouais, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que moi je fais souvent ça en fait mais... Ouais ça m'est arrivé à multiples reprises aussi et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai réussi j'étais en mode ah c'est pas mal fort hein. Exotic qui s'est positionné en attaque. Hein. Vraiment, il a campé tel un numéro 9 en espérant que la balle revienne. Est-ce que ça va payer? Ça ne va pas payer, mais pour l'instant, eh bien, il nous reste 2 minutes et c'est nous qui sommes dans une phase offensive. Oh, dommage! Ça, c'était beau, ça, Kyrian. Ça, c'était très, très beau l'action avec Exotic là. Très belle passe into gros missile, mais ça a été très bien arrêté. Derrière Kyrian qui va essayer de la remettre, il va essayer de la retoucher encore. Pas mal, une bonne redirect là pour essayer de la remettre au centre, mais malheureusement, on n'a personne dessus. C'est un peu dommage, Yuki's qui a beaucoup de boost. Exotic va passer avant. Exotic. Ah, Yuki's qui était court. Yuki's qui s'attendait pas à un tel rebond. C'est dommage. Et là, ça va être dur. Ça va être très dur, mais ça va. Kyrian qui. Il relance. Allez, 1 minute 20. Yuki's. Oh, attention là. La passe, pas ça passe sur Exo. Oh, Yuki's non. Oh, dommage. Ils ont pas réussi à trouver le 1-3. Ouais. Ah, ça, c'était beau aussi. Ça joue bien côté de Giants quand même. Hein. Après, mécaniquement, nos joueurs ils sont insane. Mécaniquement, tu vois que les joueurs ils ont rien envie aux meilleurs joueurs du monde. Clairement, j'en joue vraiment trop bien. Le problème, c'est que des fois. Des fois, on se commit un peu trop, on va prendre des risques, tu vois. C'est un peu notre point faible, c'est surtout la défense. Offensivement, je trouve qu'on est très bon, mais défensivement, tu vois, c'est dur. Et regarde, Zamoué tout seul. Aïe aïe aïe.
Zamoué tout seul qui s'envole. Et voilà, encore une fois, regarde, défensivement, on le disait, hein, là, il a remis sur le côté gauche, il remet... Oh, c'est beau. Il solo, quoi. Non, franchement, là, c'est magnifique. Hein. Zamoué, là, qui a réalisé l'exploit, et qui le fait passer devant. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Il nous reste 50 secondes pour égaliser au moins. Attention à Zamoué, Zamoué qui a plus de boost, mais qui a réussi à le prendre derrière le boost là-bas. Aïe, 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 aïe. Ok, ça va. Ça va. Ils ont laissé Tox derrière pour être là au cas où. Et là, pour l'instant, c'est dur pour nous. On n'a plus personne en défense. On n'a plus personne en défense. Attention. Heureusement pour nous que ça a loupé. On est obligé d'attaquer. Hein. Heureusement pour nous que ça a loupé du côté de Steak là, mais ça aurait pu être terrible. Tox. Oh lolo. Allez, faut la balancer cette balle. Il faut aller chercher. Aïe aïe aïe, sur la. Oh, c'est le feu chez nous. Hein. C'est le feu, il nous reste 20 secondes. Là, c'est le moment où on devrait pouvoir sortir. Non, Karen qui passe à côté de la balle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ok. Yukis qui va la renvoyer sur Exo. Exotic qui va essayer de la redégager, même pas. C'était un fake du coup. Attention par contre, est-ce qu'on peut attaquer là-dessus? On doit attaquer là-dessus. Il nous reste encore 6 secondes. Est-ce qu'on peut le faire? On a directement Yukis qui est là, qui essaye de la remettre au centre. Peut-être Karian, 2 secondes. 2 secondes, il faut pas que la balle touche le sol désormais. Il ne faut plus que la balle touche le sol, sinon c'est perdu. Est-ce qu'on peut le faire? On a personne à gauche. Non. Pas le droit au bonheur, malheureusement. Ouais. Giants qui a été très fort. Franchement, Giants, ça a été très très fort sur ce match. Oui. Et même si on n'a pas été à plaindre le 3ème et 4ème match, franchement, on a été chaud sur le 3ème et 4ème match. Mais le 1er et le 2ème, ils étaient. Ouais, tu comprends pourquoi ils sont top 3. Hein. Ouais, clairement. Ils étaient très très forts. Franchement, le match était très beau. Malheureusement, eh bien, nous ne remporterons pas ce match et nous ne nous qualifierons pas pour le top 8 de cette semaine. Mais il reste encore combien de semaines de The Grid pour le mois de printemps? Je vais vous dire ça tout de suite. Il nous reste encore... Enfin, le mois de printemps, la saison d'automne, pardon. Il nous reste encore 2 semaines. Donc, semaine prochaine, il y a encore 1 semaine. Et dans 2 semaines aussi. Du coup, il y aura encore des The Grid qui vont se passer et on va devoir performer sur les 2 prochains The Grid. Sinon, eh bien, ça va être compliqué pour nous de nous qualifier pour le prochain split de The Grid pour la saison.